Est-ce que vous pouvez me dire? Je suis un être humain aussi. Est-ce que vous êtes actuellement enterré? J'étais en fait. La vérité, je ne suis pas l'air. Je ne suis pas l'heure. Vous n'êtes pas l'heure, ça veut dire. En fait, la personne qui m'a parlé et qui m'a dit qu'elle n'avait pas le droit d'être déterrée. Oui, cette personne-là. Oui, c'est la personne. Oui. Si la personne me dit qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai compris. Peut-être il ne se passe rien, ou peut-être il peut se passer quelque chose, j'ai compris. La personne, je pense, est enterrée dans le prophète. Dans le prophète, oui. La personne est enterrée dans le prophète. Je vais vous expliquer. La personne est enterrée, en fait. Ah bon? Elle est enterrée et elle n'est pas juste. J'ai compris. En fait, je vais vous expliquer. La personne est juste la personne. Elle n'est pas quelqu'un d'autre. Et malheureusement, si la personne est enterrée, on ne peut pas le dire. Et pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que la personne ne voudrait pas qu'on le fasse savoir. Ou bien, si elles veulent faire savoir, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps pour en fait faire quoi? Pour la dernière fois. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, oui. Je comprends. C'est juste la personne qui a voulu ça. J'ai compris. Voilà. La personne a voulu ça. Elle a en fait. Elle a ordonné qu'on le fasse. Et ce n'est pas juste, vous comprenez. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. La personne était enterrée en Italie aussi. Et on ne sait pas pourquoi. La personne ne l'a pas pu. Elle ne l'a, en fait, elle l'a pu, la personne, dire même qu'elle était enterrée en Italie. La personne, je vais vous expliquer. Était enterrée aussi à Ryan. À Ryan. Elle était enterrée à Ryan. Voilà. Elle était enterrée à Ryan aussi. C'est tabou. Hein? Voilà. Si c'est tabou, de qui j'ai. Oui, je pense que c'est Jésus qui le dit. Non, ce n'est pas Jésus. C'est la personne, oui. C'est la personne elle-même. La personne d'après, oui, c'est elle. C'est mon père qui le dit. Oui, c'est ton père qui le dit. Tu comprends, c'est ton père qui le dit. Ah bon, voyons. Alors, elle était enterrée aussi en Italie. Oui, elle était enterrée aussi en Italie. Ah bon, oui. Ils ont fait un enterrement, c'est ça. J'ai compris. Et la personne, elle est où maintenant? Elle est toujours là. Elle est toujours là, oui. Elle est toujours enterrée, tout à fait. Et elle est vivante, oui, je pense que tu as la vérité. La vérité, oui. Elle est, d'après nous, toujours là. Ah bon, oui, d'après nous, elle est toujours là. Elle est toujours là, ouais. Pourquoi personne n'a trouvé de solution pour la personne? C'est parce que la personne n'était pas juste. Mais il ne fallait pas juger la personne, il fallait l'aider peut-être. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas elle qui n'était pas juste. C'était la personne qui n'était pas juste. La personne, oui. La personne qui était en fait en contact avec elle, peut-être. Oui, c'est ça. La personne en contact avec la personne enterrée n'était pas juste. Qu'est-ce qu'elle était? Elle était la période seulement. Hein? Tu veux dire qu'il y avait une personne en contact, j'ai compris. Avec la personne enterrée. Qui n'était pas juste, j'ai compris. C'est trop. C'est trop de jours. Ça fait trop de jours. Ah bon, oui, ça fait trop de jours. La personne était enterrée ici. Ah bon, oui, elle était enterrée. Elle disait rien au départ. Elle disait rien. Et en fait, quelqu'un lui a fait quelque chose, j'ai compris. Quelqu'un lui a menti, voilà. Quelqu'un lui avait menti. Et la personne ne voulait pas le. Ah voilà, le Palestinien. Le Palestinien. Quelqu'un lui avait menti. Voilà. Quelqu'un lui avait menti. C'est une personne jeune.
Une personne jeune qui lui avait menti. Oui, c'est ça. Elle lui avait menti. Et en fait, elle a tout fait pour lui mentir. Voilà, elle a tout fait pour lui mentir. C'était le faux, en fait. Le faux, oui, c'était le faux. Et elle a tout menti sur elle. Ah bon, oui. Tout menti sur elle. Je vais vous expliquer. La personne était l'idée. Elle était l'idée. Et en fait, l'homme ne voulait pas que ça le fasse. Il ne voulait pas que ça le fasse. En fait, la personne. La personne. De Abou. Voilà, la personne de Abou était la première personne. Elle était la première personne. Là, je sors Annie. Voilà, je sors Annie. Je sors Annie du caveau. J'ai compris. Mais comment je le sors du caveau? Avec la Palestine, rien. Je le sors avec la Palestine, voilà. La personne est destinée à sortir. Elle est destinée à sortir. Et qui me dit qu'elle doit sortir du caveau? Je suis d'accord. C'est la Palestine, monsieur, qui le dit. La Palestine, oui, c'est la Palestine. En fait, on veut vous expliquer. Ce n'est pas juste du tout. C'est une personne qui était responsable. Elle était responsable. La personne était responsable, elle ne pouvait pas le dire. Que c'était l'idée, elle ne pouvait pas le dire. Elle était utilisée, la personne était utilisée. Elle a été utilisée et elle a été questionnée. Et en fait, la personne n'était pas libre, elle n'était pas libre. Elle était connue et elle n'était pas libre. Et la personne du prophète était libre, elle était libre, la personne du prophète, elle était libre. Et en fait, on s'est tenté, voilà, de savoir pourquoi. Et dès qu'on a su pourquoi, on a compris. La personne, en fait, du calife est normalement la première personne. Et ce qui s'est passé, c'est une doublure. Il y a une doublure. Une doublure, c'est-à-dire quelqu'un qui était jaloux. Il était payé, voilà, il était payé et il était jaloux. Et en fait, il prenait la personne, en fait, pour lui volontairement, pour éviter ensuite, voilà, qu'il y ait de vérité. Et en fait, elle faisait une doublure sur tous les points, tous les sujets. La personne, dès qu'elle s'exprimait, elle était doublée, voilà, elle était doublée par quelqu'un. Et cette doublure, elle n'était pas vraie. C'était une fausse identité. Et là, je crois démasquer facilement la police. Voilà, je crois démasquer facilement la police qui utilisait la personne pour faire une fausse identité. Et en fait, quand c'était la personne qui était vaincue, la fausse identité, les autres personnes, elles réapparaissaient avec la personne. Comme l'imam, voilà, elles réapparaissaient. Et en fait, il y a quelque chose qui est caché. C'est peut-être l'apparition ou encore la communauté de l'imam, j'ai compris. Ou encore, c'est ça qui est caché. Et en fait, c'est un modèle, voilà, c'est un modèle qui existe tout le temps, en fait. Il existe tout le temps, ce modèle. Et en fait, dès que ce modèle est en fonction, dès qu'il est en fonction, je fais l'imam, voilà. Et je le suis, voilà, je le suis. Et c'est en fonction, après, il est en fonction. Et donc, tout le système après fonctionne. Et en fait, le modèle, il apparaît. Il apparaît comme les personnes, voilà. Et je veux dire par là, les personnes, elles apparaissent dans le modèle. Il y a un système qui fait apparaître les personnes dans le modèle. Et ça, en fait, là, je reviens sur Annie. Voilà, je reviens sur Annie. La personne d'Annie, elle a été vue comme ça. Elle a été vue dans le modèle de l'imam, j'ai compris. Elle est réapparue dans le modèle de l'imam, puis elle a communiqué dans le modèle de l'imam. Et après, on s'est posé des questions sur elle, voilà. Et la personne, ensuite, elle émerge, en fait. La personne, elle émerge, on la ressent à nouveau, on la reconnaît à nouveau, on apprend qu'elle est là à nouveau, voilà. Et après, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard pour lui ou pour nous, c'est trop tard. Parce que la personne, elle est directement l'imam, j'ai compris. La personne d'Annie, elle est directement l'imam. Donc après, c'est trop tard. C'est trop tard. Et autre chose, la personne d'Annie, en fait, elle n'était plus là. Dans l'état, elle n'était plus là. Elle était en fait passée de l'autre côté. Ça veut dire qu'elle n'était plus de ce monde, normalement.
Mais en fait, il y a une exception, j'ai compris. Il y a une exception qu'on a trouvée. C'est la personne, tout simplement. La personne de Annie, par exemple, est une exception. Elle est une exception. Sur d'autres personnes, elle est une exception. La personne est en fait la Palestine. Voilà. La personne est aussi... La personne, vous ne le dites pas d'aller au caveau. Voilà. En fait, le système, voilà, est trompeur. Le système de l'État. L'État, en fait, une partie du système veut cacher la vérité. Et dès qu'il apprend qu'il est là, elle veut cacher la vérité. Elle veut cacher, par exemple, que ça peut être l'imam, qu'il a pu être l'imam, voilà. Elle veut, le système veut cacher, en fait. Il veut cacher peut-être Annie, voilà. Il veut le cacher. Il veut l'empêcher, en fait. Il veut l'empêcher peut-être d'être là. Et en fait, ce n'est pas juste du tout. Si la Palestine est debout, ce n'est pas juste du tout. Là, je m'adresse à la Palestine, ce n'est pas juste du tout. Voilà. Et en fait, je le dis même Mustapha. Je le dis même Mustapha. Mustapha Annie. Voilà, tout à fait. Par exemple, ça me plaît que je l'appelle comme ça, par exemple. Mais j'espère ne pas avoir que des rêves et des illusions. Voilà. J'espère avoir une réalité avec lui, une réalité. Je pense, voilà, qu'il faut que Annie sorte, voilà, qu'il sorte. Et là, nous sommes aux nouvelles, voilà, nous sommes aux infos. Nous sommes aux infos bientôt, je pense, nous sommes aux infos bientôt. Là, nous sommes aux nouvelles, pour l'instant, nous sommes aux nouvelles. Nous sommes aux nouvelles. Là, vous allez vous retrouver encore sur ma chaîne, voilà, où je vous en ai parlé sur ma chaîne. À quelle heure est-il, voilà? Là, il est 23 h, voilà, quelle date nous sommes? Là, nous sommes le 28 septembre, le samedi 28, si c'est ça. Et quelle histoire nous faisons? Nous serons par Allah, nous serons Annie, voilà. Nous serons Annie pour le bien de la connaissance. Nous serons Annie pour le bien de la religion. Nous le sauvons. Et comment Allah nous le sauvons? Nous le sauvons avec l'intérêt. L'intérêt. Nous le sauvons. Bon, vous essayez de le sauver par l'Internet, j'ai compris. Vous essayez de le sauver par l'Internet. Est-ce que c'est suffisant pour vous dire que c'est libérer seulement la personne? C'est seulement la libérer. Ce n'est pas la sauver. Voilà, c'est seulement la libérer. Internet, ça libère la personne si on a fait le travail, mais ça ne la sauve pas. La sauver veut dire connaître la personne, savoir que ce n'est plus la personne, et ensuite la sauver du faux Messie. La sauver du faux Messie. La sauver du faux Messie. C'est l'été qu'on l'a délivré. L'été. Il faut sauver maintenant la personne. Oui, je suis d'accord. Il faut sauver la personne d'Annie. Mustapha. D'accord. Aussi, nous pouvons dire Mahdi. Dans ce cas-là, nous pouvons dire Mahdi. J'ai compris. Il faut sauver la personne. La personne est intentée. Elle est intentée d'être. Non, non, non. Non, on l'a là. La personne est intentée. Non. La personne doit être sauvée.